dans l'obscurité. Sam Carpentier. Paul Sautin. Arrive recours. Soyez là, parce que je me marie demain, j'ai un gros secret à vous confier. Il n'y a qu'à vous que je peux le dire. Sophie, t'es enceinte? Non. J'ai invité mon père à mon mariage. Tu as quoi? Tu l'as enfin retrouvé? Pas exactement. Vous vous souvenez de ce que ma mère m'a toujours dit au sujet de mon père? Que c'était un amour de vacances, qu'il était parti avant qu'elle sache qu'elle serait bientôt mère. Alors? J'ai fouillé dans ses malles au grenier et j'ai retrouvé le journal qu'elle tenait quand elle est tombée enceinte de moi. Et j'ai appris que j'ai peut-être trois pères. Sam, Paul et Harry. Mais alors ton père, c'est lequel? Je ne le sais toujours pas. Et t'as invité lequel? Les trois, mais ils pensent que c'est maman qui les invite. Oh mon Dieu! Honey, honey, quand il m'effleure, ah ah, honey, honey. Honey, honey, je suis à fleur. Ah ah, honey, honey. On m'avait parlé de lui. J'ai voulu savoir aussi. Là, je crois que je devine. C'est une vraie machine. J'en suis toute étourdie. Oh, une vraie machine. Et c'est pas fini, accrochez-vous. Honey, honey, j'en veux encore. Ah ah, honey, honey. Honey, un peu plus fort. Ah ah, honey, honey. La façon dont tu m'embrasses. J'adore comment tu m'embrasses. La façon dont tu m'enlaces. J'adore comment tu m'embrasses. Et je vois la vie en rose quand tu me fais des choses. Attends, ce bonhomme-là, c'est Sam. C'est ton père. C'est là que ça se complique. Sam a dit à maman qu'il rentrait chez lui pour se marier. Oh, le salaud. Tous les mêmes. Attendez que je retrouve. Ah, 4 août, quelle nuit! J'avais toujours blouse de Sam, mais après le spectacle, Paul a loué un hors-bord. Je l'ai conduit jusqu'à Lille de fil en aiguille, enfin, 3 petits points. Paul? 15 août, quelle nuit! Voilà que Harry a débarqué sans prévenir. Du coup, je me suis proposée pour lui faire visiter Lille. Je crois que je n'ai rien dans le citron. Toujours est-il qu'il a été tellement gentil que ça a été plus fort que moi. On a 3 petits points. Harry? Mon père a un nom, enfin, 3. Sam, Paul et Harry. Ils se pointent tous les trois au mariage. Voilà. Mais ils sont au courant. T'es pas folle, je les connais pas moi. Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Venez à mon mariage. Ah, au fait, vous êtes peut-être mon père. Non, ils pensent que c'est maman qui a envoyé les invitations. Et vu ce qu'il y a dedans, pas étonnant qu'ils aient dit oui. Honey, honey, quand tu me touches. Ah ah. Sur la bouche, ah ah, honey, honey. On m'avait parlé de lui. J'ai voulu savoir aussi. Je suis prête à découvrir ce qu'il peut m'offrir. Tania, tu as bien dansé. Ah, mais si tu crois que c'est facile avec ses chaussures, elle aurait pu au moins nous envoyer une limousine. Bien sûr, toi et tes habitudes de millionnaire, tu te crois où? On est sur une petite île grecque. Ça m'étonnerait que tu retrouves le confort de ta belle villa achetée par ton 4e mari. Paix à son âme. Heureusement qu'on arrive. Mais regarde, la voilà.
pour un soir. Un soir seulement. Donna et les Dynamos. Dans mes bras, les filles. Donna, tu es resplendissante. Vous aussi, vous êtes magnifique. Mais dis donc, comment va la mère de la mariée? Beaucoup mieux maintenant que vous êtes là. Tania, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Que veux-tu? Quand un millionnaire passe, Tania le ramasse. C'est un boulot à plein temps. Moi, mon seul boulot à plein temps, c'est de faire la guerre à mon banquier. Tata Rosie! Sophie Sheridan! Toujours aussi belle à croquer. Je parierais que tu ne me reconnaîtras pas. Évidemment. Trop de lifting! Mais si, Tata Tania! Et voici Sky, qui va se marier avec ma fille. Il avait commencé le tour du monde à la voile, mais depuis qu'il a rencontré Sophie, il est resté ici et m'a bien aidé dans mon hôtel. Allez, viens! Que je te présente mes choristes. Vous devez être Rosie. Et vous devez être Tania. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Hey, salut, moi c'est Pepper comme le poivre, mais mes amis préférés m'appellent Chili. Laissez-moi deviner, parce que vous êtes hot. Il est censé m'aider au bar, sauf que c'est un bon à rien. Et voilà mon hôtel. Mais rien ne marche. J'ai pris la gérance de cet endroit il y a 15 ans, et depuis, tout tombe en ruine. J'aurais vraiment besoin d'une pause. La nuit, le jour, je travaille dur pour bien payer toutes ces factures. Que c'est triste! Et malgré tout ce que j'endure, mes poches sont vides jusqu'au doublu. C'est trop triste. J'ai rêvé d'un plan d'enfer. Si j'étais goûté un refilet, j'aurais plus besoin de trimer. Je pourrais dépenser sans compter. Mollet, mollet, mollet. Rien à compter pour un millionnaire.
Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. 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 Yes. 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 But set it not under 1 million. Yes. Yes. Okay. Bye. See you. Bye. Bye. Enfin arrivé. Cette place me rappelle des souvenirs. Je m'appelle Harry. Sam. C'est libre. Je vous en prie. Moi, c'est Paul. Harry. Vous êtes invité au mariage, vous aussi ? Oui, mais j'étais déjà là avec une femme il y a plus de 20 ans. Vous voulez que je vous dise ? Voyez cette taverne. À l'époque, c'était une bergerie. Et j'ai cru que j'allais devoir dormir avec les moutons. J'ai dessiné tous les plans il y a 21 ans. Je peux pas croire qu'elle y soit arrivée. Mais qui ça ? Elle s'appelle Donna. Attends, moi aussi je la connais. Elle a failli réussir à me faire oublier ma vie d'aventurier écrivain. Bah, bon sang, ma guitare ! Je l'avais offerte à Donna, du temps où j'avais encore une âme de rocker. Je ne travaillais pas encore à la banque à cette époque. J'étais beaucoup plus spontanée. Ma vie, c'est la musique, et je dis merci. Merci pour ces airs fantastiques. Rien qu'un jour sans musique, les deux oreilles à l'abri, tout devient gris. Qu'est-ce qu'on devient sans jolie mélodie? Car tu sais, ma vie c'est la musique, et c'est tout ce que je suis. Maman m'a dit que mes premiers pas, je les ai dansés. Que mon premier cri, ma toute petite voix l'a chanté. Et je me demande bien qui a l'honneur de découvrir que rien ne fait battre un cœur mieux qu'un petit refrain. C'était sûrement quelqu'un de très bien. Car tu sais, ma vie c'est la musique, et je dis merci. Merci pour ces airs fantastiques. Rien qu'un jour sans musique, les deux oreilles à l'abri, tout devient gris. Qu'est-ce qu'on devient sans jolie mélodie? Car tu sais, ma vie c'est la musique, et c'est tout ce que je suis. J'ai raflé la mise, j'ai trouvé de l'or dans ma voix. Je veux le chanter fort et qu'on se le dise. Ce bonheur, cette vie, c'est ma chance. Ma vie, c'est la musique, et je dis merci. Merci pour ces airs fantastiques. Rien qu'un jour sans musique, les deux oreilles à l'abri, tout devient gris. Qu'est-ce qu'on devient sans jolie mélodie? Car tu sais, ma vie c'est la musique, et c'est tout ce que je suis.
es la fille de Donna? Oui. Nom de Zeus! Je me disais bien que tu me rappelais quelqu'un. Sophie... Sophia? Sophie. Sophia en grec. J'avais une grande tante, Sophia. Et je tiens mon nom d'une Sophia, une très bonne amie de maman. Bon, où est Donna? Je voudrais lui parler et la remercier pour l'invitation. Oui, c'est très gentil, elle de se souvenir de nous. Non, non, elle n'est pas au courant, c'est moi qui vous ai envoyé les invitations. Elle me parle tout le temps de ses amis d'autrefois, je me suis dit qu'elle serait ravie que je vous invite tous les trois, mais elle est dans un tel état à cause du mariage. Si je lui annonce trois invités surprises, elle implose. Alors ce n'est pas Donna qui m'a invitée? Pas exactement, alors faites comme si vous étiez là en vacances. Comme ça, ça lui fera une jolie surprise quand elle vous verra au mariage, et là, on la mettra au courant. Sophie, tu te rends pas compte de la bêtise que tu as faite. Bon, je ne voudrais pas te gâcher la journée, mais la dernière fois que j'ai vu ta mère, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Donc, si l'invitation vient de toi, je suis encore interdit de territoire. Oui, mais c'était il y a des années et je tiens à ce que tout le monde soit là. Mais pourquoi? Parce que, à cause de mon mariage, je veux que tout le monde s'entende. Ah, t'es une sacrée chipie, toi. Pire que ta mère. Heureusement que mes garçons ne te connaissent pas. Ils n'auraient aucune chance. Vos garçons, vous avez des fils? Oui. Deux. Et j'aimerais revenir un jour avec eux ici. Comme vous veniez avec ma mère. Tout va bien par ici? Parfait. Oh, Harry! Paul! Sam! C'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit de vous installer sur ma terrasse? Je ne me souviens plus de son nom. Ben... Greg, je crois. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, j'écris un bouquin sur les voyages. J'ai pris un petit congé en Grèce. Moi, je suis juste venu dire bonjour. C'est ce que cette île me rappelle. Tu m'as poussé à bout, est-ce que tu t'en souviens? J'ai compris après coup qu'avait sonné la fin. Regarde-moi, mon rôle, dis-moi pourquoi tout à coup je perds le contrôle et je brûle dès que tu me frôles. D'un regard tu me traînes jusqu'à l'église, un regard et tout entière je me brise. Wow, wow, mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, quelle bataille est belle. Non, non, je ne peux pas oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur. Toutes tes envies d'ailleurs. Oh non, je t'ai laissé t'en aller. Mamma mia, aujourd'hui je sais. Non, non, j'aurais dû t'apprivoiser. J'ai pleuré toutes mes larmes et craché toute ma haine. J'ai déposé les armes quand j'ai purgé ma peine. Regarde-moi, j'ai appris mon rôle, dis-moi pourquoi tout à coup je perds le contrôle et je brûle dès que tu me frôles. D'un regard tu me traînes jusqu'à l'église, un regard entière je me brise. Wow, wow, mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, toute bataille est faite. Non, non, je ne peux pas oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur. Toutes tes envies d'ailleurs. Oh non, je t'ai laissé t'en aller. Mamma mia, aujourd'hui je sais.
Eh bien, écoutez, j'aurais adoré rester là à remuer le bon vieux temps et tout, mais il faut que j'y aille. Je dois nettoyer mon sac à main. Ah, le temps suspendu son vol. Donna est toujours aussi belle qu'il y a 20 ans. Elle n'a pas changé. Mais non, c'est toujours Donna. Traîne jusqu'à l'église. D'un regard t'es tout entier, je me brise. Wow, oh, oh, mamma mia, c'est la même rengaine. Non, non, je ne peux pas résister. Mamma mia, toute bataille est belle. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur. Toutes tes envies d'ailleurs. Restez ici. J'ai fermé l'hôtel, c'est complet. Une fille d'ici se marie et je vais vous trouver un bateau et vous faire tous ramener sur le continent. Donna, contente de te revoir. Soit lui, parce qu'il y a eu deux autres garçons. Mais c'est quoi ces salades? Je pensais pas que j'allais les revoir, tous les trois, en même temps sur mon île. Oh, ils sont sur l'île? Ils sont pas là. Un. J'espère qu'ils sont repartis. Et est-ce qu'ils savent la vérité sur Sophie? Faudrait qu'ils soient voyants. Et tu as gardé ça pour toi, toutes ces années? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que Sophie ne soit pas au courant. Mais Donna, on croirait entendre ta mère. Mais où est passée Donna, la vie et l'âme de nos belles soirées? J'ai grandi, moi. Eh bien, il est temps de ratisser. Ratisser.
c'est sa loi. Pour suivre tes pas, tu dois trouver un roi. N'importe qui ferait l'affaire. Il est tard, on n'est plus très clair. La musique met le feu, tout va pour le mieux. Tu entres dans la danse. Et dès que tu t'élances, t'es comme une dancing queen, reine du bal quand aussi humide. Dancing queen, douce et belle quand sa tambourine en yeah. Quand tu danses, quand tu suis, tu es simplement la reine. Ouh, sur la scène, on s'incline devant la dancing queen. D'un regard, toi, tu les allumes. Passe au suivant, tant que t'as le temps, tu entres dans la danse. Et dès que tu t'élances, t'es comme une dancing queen, reine du bal quand tout s'illumine. Dancing queen, douce et belle quand ça tombe. Depuis midi, les gens arrivent à la queue leu-leu. Je suis désolée, on faisait un tour sur l'île. Où vas-tu ? Enterrer ma vie de garçon ! C'est mon dernier soir de liberté ! Avant de vivre la plus belle histoire de ma vie. Dis, Sky, tu te souviens quand je t'ai dit que je cherchais mon père ? Ah, Sophie, on en a déjà parlé. Quoi qu'il se passe, promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Mais tu es folle ! T'as carrément changé ma vie. Avant toi, j'étais plutôt honnête. Mais depuis, la jalousie m'a retourné la tête. J'suis possessif, faudra qu'on l'admette. Et mon seul vice, je te l'ai dit, c'est la cigarette. C'est plus vrai aujourd'hui. Tout a changé depuis. Tout ce que j'étais s'est inversé. Je t'en supplie. J'ai toujours pas comment c'est possible. Une fille comme il faut ne devrait pas être aussi docile. J'ai peur et puis j'ai froid quand tu es loin de moi. J'ai perdu pied, toute ma fierté.
trois histoires avant, mais plutôt rare et du genre qui passe avec le vent. Pour moi ça paraissait important, mais aujourd'hui quand j'y pense, ça me glace le sang. Maintenant tout va bien mieux, maintenant tout va par deux. Ce que j'étais s'est inversé, qu'est-ce que j'ai peur de... seulement, car on n'aura jamais plus la force de le refaire, le meilleur groupe de filles de l'univers, Donna et les Dynamos. J'oublierai mes peurs.
pourquoi ils sont là, si ce n'est pour gâcher le mariage de ma fille. Ils n'avaient aucun droit d'arriver sans prévenir. Ils n'ont jamais rien fait pour Sophie. Mais Donna, ils ignoraient jusque-là son existence. Et alors, je l'ai élevée seule. Et parfaitement. Sophie, que font ici ces trois hommes? C'est vrai, c'est une soirée réservée exclusivement aux filles. Oh, ça ne fait rien. N'est-ce pas les filles? Non, au contraire. Cette île était tellement tranquille autrefois. Vous regrettez de ne pas être venu plus tôt? Non, je regrette de ne pas avoir su ce qu'il avait ici. Comment ça? Cet endroit, la taverne. J'avais vraiment l'intention de revenir la construire, mais elle m'a pris de vitesse. Vous préférez les bâtiments aux gens? Pardon? Non, parlez-moi de ma mère. Ta mère était unique, irrésistible. On parlait, on se disputait, on... Tu sais que c'est moi qui l'ai ramenée sur cette île. Et vous n'avez pas fait que ça, apparemment. Qu'est-ce qu'elle allait te raconter? Rien, elle n'a jamais parlé de vous. Attends, tu nous as dit que ta mère parlait toujours de ses amis d'autrefois. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Pourquoi je suis là? Y a-t-il quelqu'un sur terre? Vous avez des enfants? Non, je me suis jamais retrouvée sur le chemin de la paternité. Il n'est pas trop tard. Vous savez, je crois pas que mon chien serait du même avis. Vous ne voulez pas d'enfants? Ah non, ce n'est pas ça. Enfin, j'aurais adoré avoir une fille. Je l'aurais pourri gâtée. Oh, la vénarde. Votre père est là? Je ne sais pas. Vous dites? Je ne sais pas qui est mon père. Y'a-t-il quelqu'un sur terre qui entend ma prière? Tu me permets une petite question un peu indiscrète? Tu sais, je suis écrivain, des formations professionnelles. Allez-y. Comment elle a fait ta mère pour s'offrir tout cet endroit? Quand je l'ai connue, elle chantait dans une boîte sur le continent. Elle a reçu un peu d'argent en héritage. Quand j'étais petite, on vivait chez une vieille dame et maman s'occupait d'elle. Elle s'appelait Sophia. Attends, Sophia, ma grande-tante Sophia? Je crois bien, oui. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait légué son argent à de la famille. Attends un peu, quel âge tu as? 20 ans! Mais oui, 20 ans. On s'est croisés deux fois seulement, un jour à peine. Tu me regardes, un sourire.
pris mon armure. Je veux tout savoir. Dis-moi à quoi tu joues. Dis-moi ce que j'ai fait en toi. Dis-moi à quoi tu joues. Dis-moi si t'es pareil que moi. Je veux y croire. Tu dois tout me dire. Il est déjà tard. Je commence à grandir. Tu me fais parler, tu me fais sentir, et tu fais sortir tout ce que j'essaie de cacher. Si je te fais confiance, me laisse pas tomber, va pas te moquer. Si moi j'ai besoin de toi, est-ce que t'es je veux savoir. Dis-moi à quoi tu joues. Ce soir je dis tout à ta mère. Dis-moi si t'es pareil que moi. Fais-moi confiance, je sais ce que je dois faire. C'est déjà beaucoup. Dis-moi à quoi tu joues. Est-ce que t'es pareil que moi. Je veux savoir. Oh oui, je veux savoir. Dis-moi à quoi tu joues. Je vais parler à ta mère. Ah non, non, surtout pas. Ce sera notre petit secret à nous jusqu'au mariage. Mais elle va piquer une crise. Mais pas du tout. On sera enfin si heureux, elle sera soulagée comme ça. Bon, compte sur moi. D'accord, d'accord, d'accord. Qui te conduit à l'hôtel? Personne. Si, moi. Vous? Je me charge de Donna. Elle me fait pas peur. Enfin, pas trop. Voulez-vous juste tenter le reste? Rien choisir du tout. La question c'est voulez-vous? Parfois, je suis ton père. Harry ! Oui, c'est pour ça que tu m'as envoyé l'invitation. Tu veux que ton vieux papa t'accompagne jusqu'à l'hôtel. Ne t'en fais pas, Sophie. Je serai là. Compte sur moi. Je ne te décevrai pas. Voulez-vous juste au fond de la preuve, tu prends ou tu laisses. Juste
Tania. Quelle magnifique soirée! Dommage qu'elle soit déjà finie. Oui, c'était vraiment top. C'est vrai, c'était une belle fête. Mais maintenant, il faut tout ranger et tout nettoyer. C'est ce soir qu'elle se marie. Allez, les filles. Oh, les filles, vous êtes trop sympas. J'ai très mal dormi cette nuit, un vrai cauchemar. Je panique complètement à l'idée que mes trois pères veuillent me conduire jusqu'à l'hôtel. Ma pauvre, mais quelle erreur de les inviter tous les trois. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Sophie ? J'ai les yeux grands ouverts, je reste immobile. Besoin de changer mes piles. Et je sens que les taux déjà se resserrent. Je ne dors plus tranquille. Elle pense qu'elle se laisse pas faire. Je ne laisserai pas faire, même si j'ai bien compris. J'ai pas la bonne stratégie. C'est un peu comme un sprint en talon aiguille. Là je crois que je subis comme une attaque. Un état de siège. Et si je craque avant. Dans mon propre rêve et je peux plus m'en sortir. T'as ce que tu voulais pour de bon. Oui, c'est ce que je voulais, mais j'ai plus la maîtrise. Le vertige me paralyse. J'ose pas imaginer ce qu'il se passerait si là je lâchais prise comme une attaque, un état de siège. Et si je craque avant la relève, n'y a-t-il personne qui se soulève, qui me sorte de là, car je suis prise au piège. Comme une attaque, je cours à couvert, mais il me traque, un fiancé ses trois pères. Rien ne peut les stopper comme ça, même si j'avais les moyens, je ne pourrais pas. Sophie ? Mais qu'est-ce que tu fais là de si bonne heure ? Mais rien, ça va. Bien sûr que non. Tu es toujours ma fille et je vois bien que quelque chose ne va pas. J'ai mal dormi, je suis stressée à cause du mariage. Tu sais, il n'est pas trop tard, on peut encore tout annuler. Tu voudrais que je passe ma vie comme toi qui n'as jamais eu le courage de suivre ton cœur ? Ce n'est pas juste, ton échec c'est le tien, pas le mien. Alors arrête de me priver de ce que tu n'as pas réussi à garder. Super Trooper, si l'air flash m'éblouit. Mais c'est quoi ça? Les gens dorment encore à cette heure-ci. Vous arrêtez tout ce vacarme avant de réveiller tout le monde. On essaye juste de mettre de l'ambiance pour le mariage. Mais ça va être quoi ce mariage dans l'état où vous êtes? Vous empestez la salle. Sky, tu vas pas te marier avec ma fille dans cet état. Tu te prendre une douche. Vous croyez aller où comme ça? On voulait juste aller prendre une douche et se préparer
pour le mariage. Exactement. Non mais je rêve. Alors, vous mettez le champagne au frais. Vous vérifiez le punch. Vous préparez les tables. Passez un coup de chiffon. Mettez les couverts, les plus beaux verres, les assiettes. Et ensuite, vous irez prendre votre douche. Pour la taverne. Mais j'en veux pas de ton extension. Qu'est-ce que tu fous là? C'est mon rêve, l'île de la taverne. C'est mon rêve. Eh bien moi, c'est ma réalité. Un travail de galérien, une hypothèque qui me laisse à genoux. Tu veux que je jette un œil au toit? Tel que je le vois, il ne passera pas l'hiver. Je peux très bien m'en occuper toute seule de mon toit. Et merde, c'est un martyr. J'ai des gosses moi aussi. Et je sais très bien à quel point ça doit être difficile de s'occuper de tout toute seule. Oh, ne prends pas cet air. J'adore m'occuper de tout toute seule. Tous les matins, je me dis que je suis une sacrée vénarde. Tous les matins, je remercie le ciel de ne pas avoir de quadrat entreposé dans mes pattes. Je suis libre, je suis célibataire. C'est le bonheur, non? Où est notre jeunesse? Elle passe et puis se fane. Je t'ai rêvé partout, mais toi tu me condamnes. Quand l'amour s'est-il envolé?
J'aimerais comprendre un jour. Il prenait tant de place, il nous prenait de court. Alors je t'en prie, entends-moi si je crie SOS. L'amour que t'as mis en moi sauvera ma vie, SOS. Si tu gommes, si t'effaces toutes nos traces, j'abandonne. Si tu gommes, si tu casses, si tu passes, je suis personne. Même si tu es tout près, tu me sembles hors d'atteinte. T'as fait briller en moi une flamme qui s'est éteinte. J'ai pourtant fait la part des choses. J'aimerais comprendre un jour. Où est passé l'amour qui nous prenait de court? Alors je t'en prie, entends-moi si je crie SOS. L'amour que t'as mis en moi sauvera ma vie, SOS. Si tu dors, si t'effaces toutes nos traces, j'abandonne. Si tu gommes, si tu casses, si tu passes, je suis personne. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était Sophie qui se mariait? Parce que ça ne te regarde pas. Et ce garçon, ce Sky, est-il assez bien pour elle? Ça non plus, ça ne te regarde pas. Alors je t'en prie, entends-moi si je crie SOS. L'amour que t'as mis en moi sauvera ma vie, SOS. Si tu gommes, si tu gommes, si t'effaces toutes nos traces, j'abandonne. Si tu gommes, si tu gommes, si tu casses, si tu passes, je suis personne. Donna? Donna! Ah! Tu es là! Ravalement? Évidemment! Hé les gars, regardez faire un spécialiste! Ravalement de quoi? Ravalement de façade! Réparation et rénovation en tout genre! Mais ce n'est pas illégal de trafiquer un chef-d'œuvre! Oh Tania, excuse-le! Il fait pas exprès d'être couillon! Oh mais enfin Tania, tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé entre nous hier soir! Et si on reprenait là où nous en étions? Mais de quoi parles-tu? Sache que les petits garçons qui jouent avec le feu finissent toujours par se brûler. Tu t'es chaud, tu m'allumes. T'es pas mûr si le feu démaigrit sur un cœur aussi pur. Ce serait vraiment pas mature. Tu dégages tendrement de partout. Ça déborde, même tes yeux semblent à testostérone. N'étais pas encore un homme. On pourrait danser mon bébé si ça te fait craquer. Seulement si maman te permet. On peut discuter mon chéri, vivre un peu aussi. Seulement si maman te permet. Vas-y mollo doucement mon garçon. J'aurai des regrets maman permet. Vas-y mollo, j'ai quelques garçons, ça fait de l'effet, si maman permet. J'ai compris ce que tu cherches, mais tu jeune à ton âge, y'a tant de choses d'affaires. Je pourrais être ta mère. Tu es beau,
tu présentes bien. Et je sais ce que tu cherches quand tu t'approches et me tends la main. Mais t'es encore qu'un gamin. On pourrait danser mon bébé si ça te fait craquer seulement. Si ma ronde te permet. On peut discuter mon chéri, vibrer un peu aussi seulement. Si ma ronde te permet. On pourrait danser mon bébé si ça te fait craquer seulement. Si ma ronde te permet. On peut discuter mon chéri, vibrer un peu aussi seulement. Si ma ronde te permet. Seulement si maman te permet. Seulement si maman te permet. Gamin. Bonjour Sophie. Ça ne va pas? Pourtant, ça devrait être le plus beau jour de ta vie. Mais je ne vais pas t'accompagner jusqu'à l'hôtel si tu n'es pas certaine de trouver ton bonheur avec Sky. Mais qu'est-ce que vous en savez? Moi, je peux te parler de mon beau mariage avec la pièce montée. Tu sais, on n'en ressort pas forcément heureux pour toujours. Je vais te résumer mon expérience de couple en 2 minutes. D'un trait, le vide s'installe après. Traverser une maison froide, les larmes aux yeux, c'était notre dernier acte, se dire adieu. Mais je dois partir. Qui je suis, qui sommes-nous deux étranges, et c'est tout. Je croyais que vous aviez deux fils. Oui, ils vivent avec leur mère. Je garde les cris, l'amour gravé. Mais la chambre du premier prend la poussière. Les enfants l'ont déserté, il faut s'y faire. Qui je suis, qui sommes-nous? On n'en sait plus rien du tout. Qui je suis, qui sommes-nous? Il faut bien qu'on l'admette, on est. Quitte n'est jamais facile à dire, mais je dois partir. Qui je suis, qui sommes-nous deux étrangers, c'est tout. Qui je suis, qui sommes-nous deux étrangers, c'est tout. Sophie, sache que le mariage n'est pas le plus important, mais l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre.
Marie ? Mais qu'est-ce que tu fais là, petit bonheur ? Bonjour, Donna. Tiens, c'est pour toi. Mais Harry, c'est quoi ça ? Bah, je me suis dit qu'avec ce mariage, tu devais avoir des fins de mois difficiles. Et puis, tu as élevé Sophie toute seule, alors je voulais apporter ma petite contribution personnelle pour son mariage. Oh, Harry, c'est un geste formidable, mais... Je me souviens qu'à l'époque, à Paris déjà, lorsque je voulais t'aider, tu m'avais dit « Harry, c'est un geste formidable, mais je vais me débrouiller toute seule. » Tu t'en souviens ? Ah, Paris. C'était magique. Et je me souviens Paris s'éteint. Le long des quais au petit matin, juste un croissant, un café, et nous étions si bien. On s'endormait au champ de Mars, sans même penser au temps qui passe. Oh yes, c'est l'époque où on voulait faire l'amour et pas la guerre. On était libre, on comptait bien le rester, jamais grandir pour ne jamais s'attacher. Et pour finir, sur le cœur on a tout misé. Et je me souviens tout un été, la main dans la main. À Saint-Germain, tout un été, Paris revient, jouer les Parisiens, tout un été d'amour et de vin, sans jamais penser à ce que sera demain. Dans les affaires, père de famille, supporter, et tu t'appelles Harry. Là tu m'achèves, toi qui étais le héros de mes rêves. Et je me souviens, tout un été, la main dans la main. Tout un été, quand Paris pour
sentie et j'ai comme une montée de chagrin. Je me sens si seule quand elle est loin. Où sont passées nos aventures un peu folles, les voyages qu'on s'était imaginés? Si j'en ai fait certains, les autres sont comme le temps me glisse entre les doigts, au creux de ma main ne reste rien. Elle est déjà loin, ses 20 ans me glissent entre les doigts. J'aimerais tant qu'elle soit comme je la vois, que jamais le temps ne la rattrape. Pourtant elle m'échappe, si le temps me glisse entre les doigts. Parfois je rêve d'un simple arrêt sur image, sans que le temps ne vienne tourner la page, mais déjà tout m'échappe. Je veux bien conduire jusqu'à l'hôtel. Maman, je suis tellement fière de toi. Donna, qui va conduire Sophie jusqu'à l'hôtel? Je vais la conduire moi-même. Ça devrait être son père, tu ne crois pas? Son père n'est pas là. Si tu veux, je peux. Il n'en est pas question. Donna, c'est une histoire qui ne regarde que nous. Je ne veux plus parler de ce vide entre nous. J'ai purgé ma peine, cette histoire ancienne. J'ai tenté ma chance, tu as joué tes atouts sans aucun regret. Les jeux la loi du plus fort, moi je m'incline encore, et derrière la victoire, je lis ton histoire. J'étais dans tes bras, j'avais trouvé ma place, je me sentais de taille à bâtir des murs. Bâtir un avenir sans peur du temps qui passe. Je me suis trompée, j'aurais dû tricher. Les dieux s'en fichent pas mal, ils n'ont pas de morale. Et quelqu'un sur la terre perd un être cher. La loi du plus fort, moi je m'incline encore, et derrière la victoire, je lis ton histoire. Mais dis-moi si ça brûle autant que la mienne, si contre ce corps ton cœur bat plus fort.
partie recommence. Amitié ou romance, je m'en remets au sort, à la loi du plus fort. Je ne peux plus parler sans que monte le chagrin. Et j'ai bien compris, on reste bons amis. Je suis désolée, je n'ai plus les cartes en main. C'était joué d'avance, j'ai perdu confiance. Mais tu sais, c'est la loi du plus fort. La partie recommence, amitié ou romance, je m'en remets au sort, à la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. C'est terminé avec Paul hier soir? De quoi parles-tu? Ne joue pas à ce petit jeu avec moi. Je t'ai bien vu tourner autour pendant toute la soirée. Alors ne fais pas comme moi. N'attends pas 20 ans. Vas-y, fonce! D'accord, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Sois inventive! Tu trouveras déjà! Salut Paul, ça va? Ça va, merci. Dis donc, Paul, j'ai toujours adoré les voiliers, les aventuriers qui voyagent par-delà les mers. Tu me ferais visiter le tien ce matin avant le mariage? Bah, c'est-à-dire que j'ai prévu un tour sur l'île avec Sam et Harry. Ah, j'ai compris, mais... Si tu changes d'avis, je t'attends ici. Moi, je n'ai pas d'alliance. Viens tenter ta chance. Si t'as besoin, je suis là, fais-moi juste un signe. Si tu ne sais plus où tu vas ou si tu déprimes. Si tu te sens seul, quand les arbres perdent leurs feuilles, toujours pas d'alliance, viens tenter ta chance. Je ferai tout ce que je peux, je donnerai tout ce que j'ai. Contre ta règle du jeu, point se laisser. Viens tenter ta chance. Viens tenter ta chance. On pourrait danser. On pourrait marcher. Main dans la main tous les deux. Laissez faire la musique. Ou simplement parler pour se connaître un peu mieux. Et tu sais que moi, j'attends tellement de toi. Quand je rêve, je suis dans tes bras, c'est magique. Tu rêves de passer ton tour, trop peur d'une histoire d'amour. Et tu sais déjà, je te lâcherai pas. Si tu changes d'avis, je t'attends ici. Moi je n'ai pas d'alliance, viens tenter ta chance. Si t'as besoin, je suis là, fais-moi juste un signe. Si tu ne sais plus où tu vas ou si tu déprimes. Si tu te sens seul, quand les arbres perdent leurs feuilles, toujours pas d'alliance, viens tenter ta chance. Je ferai tout ce que je peux, je donnerai tout ce que j'ai. Contre ta règle, point se laisser. Viens tenter ta chance. Je crois que j'ai besoin d'aide là. Viens tenter ta chance. Oh vas-y, prends ton temps, baby. Je ne
pas pressé, je finirai par t'avoir. Tu ne veux pas me blesser, faut pas t'inquiéter. Là tu ne vas pas pouvoir. Je veux que tu saches, l'amour est assez grand pour tenir face au vent, c'est magique. Tu dis que c'est peine perdue, mais je t'aime depuis qu'on s'est vu, tu sais déjà. Je te lâcherai pas. Mes chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer le mariage de Sophie et de Sky. Souhaitons tout d'abord la bienvenue à Donna, la mère de la mariée, ainsi qu'à... Je ne vois pas son père. Où est-il ? C'est moi. Je ne sais pas qui est son père. D'où Jésus ? Ah, mais je comprends mieux, Sophie. C'est toi qui les as invités ici, tous les trois? Oui, je voulais tellement savoir qui est mon véritable père. Tu m'en veux? Non, non, je ne t'en veux pas. Ça m'est égal que tu aies couché avec tous ces hommes. Oh mon Dieu! Sophie, je n'ai quand même pas couché avec tous les hommes de cette île. Si je comprends bien, je suis peut-être le père de Sophie. Et c'est pareil pour Paul et Harry. C'est exact. Mais je t'avertis tout de suite. Ça ne sert à rien de me rejeter tous les torts. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Moi? Si tu ne m'avais pas laissé tomber pour une autre... Ce n'était pas une autre. Enfin, si, mais j'étais fiancée et le mariage était déjà programmé. Je me devais de rentrer pour annuler mon mariage. Mais je suis revenue. Tu as quoi? Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier avec elle et je suis revenue. Tu es revenue? Pourquoi ne m'as-tu pas appelée? J'étais assez stupide pour croire que tu m'attendrais ici, effondrée suite à mon départ. Mais quand j'ai su que tu étais déjà avec quelqu'un d'autre, je suis partie et bêtement je me suis mariée. Bon, Donna, sache que moi qui n'ai jamais eu la chance de trouver la personne avec qui fonder une famille, c'est avec plaisir que j'assumerai une part de la paternité de Sophie. Attendez une seconde. Si j'ai bien compris, lui, c'est le premier tiers, lui, le deuxième, et du coup, moi, je suis le troisième. Bon, c'est pas grave, ça me va aussi. Moi qui rêvais d'un père, voilà qui m'en tombe trois d'un coup. Mais alors, c'est pour ça que tu voulais te marier? Moi qui rêvais de faire le tour du monde? J'ai tout abandonné pour toi. Et toi, tu ne pensais qu'à retrouver ton père. Je suis désolée, je te demande pardon. Je ne sais toujours pas qui est mon véritable père, mais ça m'est égal, je sais que c'est toi qui me rendras heureuse. Partons faire ce tour du monde, nous n'avons pas besoin de nous marier. Je veux bien, mais on fait quoi alors? Bon, Donna, on ne va pas gâcher une si belle fête. Depuis le premier jour où je t'ai ramenée sur cette île, je ne pense plus qu'à toi.
Et depuis que je suis revenu, je me suis mis à rêver de passer le reste de mes jours avec toi. Donna, veux-tu m'épouser? Après tout, ce n'est que pour le reste de notre vie. C'était mon secret, plus la peine, maintenant tu sais. Sous mes airs de croqueuse d'homme, moi aussi je suis une grande romantique. Que dirais-tu de faire un bout de chemin ensemble? Thank you.
quand devant moi tu es apparu. Et je sens que Andante, andante, jusqu'à la fin des temps. Andante, andante, jusqu'à la fin des
vieille et belle. Non, non, je ne peux pas t'oublier. Oui, ça m'a brisé le cœur. Toutes tes envies d'ailleurs. Oh non, je t'ai laissé t'en aller. Mais avant, on a quelques remerciements à formuler parce que franchement, j'aimerais voir tous les professeurs. Bravo, 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 bravo. On a plein d'étoiles. Franchement, vous avez été exceptionnels. On vous a déjà entendu à Dambach, mais là, bravo, bravo, bravo. Le cœur y était, on a plein d'étoiles dans les yeux pour un bon moment encore. Hein. Je pense, hein, vous êtes d'accord? Voilà. Bon, bah, écoutez, on va remercier les professeurs s'ils veulent bien monter sur scène. Frédéric, Nils, vous venez sur scène? Le professeur de danse, voilà, Frédéric, Nils, il y a Dani, la professeure de danse, Dani de Zoris, voilà, il y a Madame Sophie Hatz, responsable maquillage, elle est là, Madame Hatz. Alors, il y a le professeur d'art plastique, Jean-Luc Talinger. Il n'est pas là, mais on vous donnera la bouteille pour lui. Hein, vous lui transmettrez. Voilà, c'est l'essentiel. Après, il y a Mme Eliane Schalk, c'est ton épouse, hein, Frédéric. Responsable logistique. Eliane est responsable logistique et couture. Vous l'avez vu, hein, pour le décor. Vous avez vu le magnifique décor. Voilà. À la direction technique, Loan et Lucille. Loan, ils sont derrière. Et il y a encore Johan, qui est aussi de la même équipe. Johan. Voilà. Alors, est-ce que les dames peuvent venir sur scène, s'il vous plaît? Les dames que j'ai citées. Ah ben, Dani est là. Vous avez les... Ça y est, vous emmenez les bouquets? Dani est ici. Ah ben, il y a une nombre. Où est-ce qu'elles sont? Eliane? Allez, Eliane, on attend. Et Joanne est derrière. Elle est où, Joanne? Derrière? Joanne. Joanne, Loan, bon, on vous garde. On vous garde les bouquets. Bon, on a commencé par les dames. Voilà, pour vous. Merci beaucoup, en tout cas. Et pour les messieurs, ben, ce n'est pas des fleurs. Hein. Vous aurez quelques bulles que vous boirez à notre santé.
Voilà. Il y en a une pour Lohan et une pour le professeur d'art plastique. Vous le remettrez. Et Lohan, derrière, tu la récupéreras après, Lohan. Hein. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu. J'espère que vous êtes contents. Bon, ben voilà, on va les libérer. En tout cas, merci, 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 je ne dirai jamais assez. Oui ? Allez, l'écrou. On aimerait encore faire des petits remerciements. Donc, on a des anciens élèves qui sont venus nous aider, comme Maëva, qui est venue pour le maquillage. Donc, un grand applaudissement. Il y a également la fille de Monsieur Schalk, Élise, qui a beaucoup donné de son temps. Il y a Pauline. Qui est là ce soir, pardon. Et on a aussi Loïc et Julio au projecteur de poursuite. Bravo! Et on remercie aussi tous les parents d'élèves qui nous ont soutenus, qui étaient là tout au long de la journée pour encadrer un peu cette troupe, parce qu'il y a quand même pas mal d'élèves. Mais comme vous le voyez, ils sont tous super et on a passé une superbe journée avec eux. Voilà. Eh bien, place au cocktail. On aura le temps d'échanger, voilà, et avec des étoiles dans les yeux. Bonne soirée encore.